Joyeux anniversaire, happy birthday to you, alles Gute zum Geburtstag. C'était mon anniversaire, ouais, avec trois langues. Bon, voilà ce que j'ai reçu pour mon anniversaire hier. Le Ving 12, 12, von Vipki, keine Ahnung. Bon, c'est japonais, hein. Mais ça va, j'ai fait la découverte hier. Regarde, on va ouvrir. Bien. Merci Helmut. Hein? Petit cadeau de monsieur Helmut. Voilà, j'ai ouvert hier. Bah, hier, j'ai pas pu faire parce que ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Regarde, aujourd'hui, commence à faire beau. Il n'y a presque pas de vent. C'était hier la tempête horrible. Horrible, terrible. Regarde, il y a tout qui. Il y a de la flotte partout. C'est tout mouillé encore. Bon, allez, attends, on revient. Voilà. Alors, tu découvres, tu vois, pop. Après, tu ouvres ce petit sacoche qui n'est pas dégueulasse, tu vois, pour transporter. Ça va, quoi. Hein? Et puis là, bah, hier, j'ai ouvert parce que moi, je volais les hélicoptères avant, tu sais, les RC hélicoptères. Et puis, boum, et voilà. Après, tu ouvres. Après, tu as ce petit truc-là. Oui, très gentil. Voilà, j'ai déjà mis, ça, c'est des... Les propellers, je sais pas comment on appelle ça, les machins de réserve. Les propellers, là c'est le câble pour les batteries. Les batteries, elles sont cool, elles sont assez grosses. Bien. Assez grosses les batteries. Bon, je dois dire que la qualité du plastique, c'est pas top en top. Ouais, bon. C'est un petit peu léger, quoi. Faut voir, quoi. Bon, c'est le machin a coûté 100... Il coûtait 170. Et maintenant, il était il était après à 100, 150, un délire comme ça. Mais bon, quand tu vois le plastique, bon, moi, avant, je conduisais, tu sais, avec les, enfin, je volais avec les gros, les machins, tu vois, les grosses télécommandes, quoi, c'est autre chose, quoi. Voilà, tu mets le téléphone là-dedans. Mais bon, tu sens que c'est vraiment un petit peu, style, joujou, quoi. Sinon, j'ai déjà testé la vidéo hier. Puis les photos, ça va, il fait de belles vidéos, de belles photos. Tu vois? AD, le machin. Alors, je sais pas, je vais le déplier avec une main. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Attends, ça je vais fermer. Je vais faire un petit test là, c'est dommage. Je voulais faire un gros test là, mais il va falloir que je m'en aille. Voilà. Bon, attends, je vais déplier cette histoire. Comme le bouton là, pour l'allumer. Bon, il faut appuyer dessus comme un mort. Tu délires toi. Voilà, faut déplier. Voilà. Avec une main, c'est pas trop facile. Bon, hier, j'ai déjà commencé à voler chez moi, là, dans l'appart, et puis après. Je me suis coupé la main, regarde. C'est où? C'est là. Parce que le machin, il commençait à. Oh, j'ai mis trop de puissance, et puis après, oh là là, il a fallu que je l'attrape. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est sec, là? Mais c'est pas sec. Tu vois, c'est le machin, quoi. Ouais. Bon, il a deux petites lumières, là. Ça va? Attends, je vais te l'allumer. Ah, tu vois, c'est vraiment... ouais. Et puis là, bah, pour appuyer sur le bouton, c'est le gros délire, quoi. Ouais, faut vraiment que t'appuies, quoi. C'est style... c'est pas pour quelqu'un qui a... Faut vraiment avoir les muscles dans les doigts, voilà. Tu vois, les petites lumières, là. Bon, puis là, on va faire un petit test, là. On va faire le petit test, ok? Bon allez, à tout de suite. Bah, je suis obligé d'éteindre parce que je suis obligé de m'en servir du téléphone pour le conduire. Tu peux pas le conduire sans le téléphone, c'est pas possible. Bon allez, à tout de suite. Die Fernbedienung ist scheiße.
Ja, das liegt anders als Hubschrauber. Hein? So. Bon, bah, c'était la petite vidéo. Je vous laisse. Servus. Merci Helmut. À la prochaine fois. Servus. Et voilà. Ça roule ma poule. Enfin, ça vole ma poule. Allez. Servus.